Top 10 des races de chiens de petite taille. Voici le classement des races de chiens de petite taille préférées des Français, des chiens à poils courts et longs, le Yorkshire. Chien de célébrité par excellence, le Yorkshire est un chien très populaire. Souvent porté dans les bras de son maître, le Yorkshire est un chien doux, attentif et intelligent, mais c'est également un chien au caractère bien trempé qui a besoin d'exercice. Il ne manquera pas de vous faire quelques beaux trous dans le jardin. Dans le jardin, le Jack Russell. Une boule d'énergie. Le Jack Russell, chien de petite taille à poil ras, est un chien très dynamique qui a besoin d'énormément d'exercice. Sous ses airs attendrissants, c'est un chien qui a beaucoup de caractère et qu'il faudra maîtriser. Populaire depuis The Mask avec Jim Carrey ou encore dans le film Ugit Artist, il est à conseiller aux sportifs. Le bichon. Très intelligent, au caractère bien trempé, le bichon est souvent utilisé dans des numéros de cirque. C'est le compagnon idéal pour les personnes âgées grâce à sa douceur, sa gentillesse et sa joie. De santé robuste, il faut quand même surveiller ses yeux qui larmoient de temps en temps et le brosser régulièrement. Le chihuahua. Le plus petit du classement et pourtant il n'hésite pas à tenir tête à des chiens plus gros que lui et prévenir son maître en cas de danger. De nature attentionnée envers son maître, il demande la même chose en retour, affectueux et joueur. C'est l'une des races de chiens les plus anciennes du monde. Ses origines remontent à la civilisation des Aztèques et les Incas le vénéraient. Le cavalier King Charles. Certainement l'un des chiens de petite taille les plus commodes et faciles à éduquer. Le cavalier King Charles fait partie de la famille des Espagnols. Son caractère docile, calme et intelligent en fait l'un des chiens préférés des Français. Rendu célèbre par les rois Charles Ier et II d'Angleterre ainsi que par la série Sex in the City, il sera le compagnon idéal des enfants et des personnes âgées. Le bulldog français. Petit molosse affectueux et joueur, le bulldog français peut se montrer parfois possessif et jaloux. C'est un chien très sociable qui aime faire plaisir à son maître. Il sera le compagnon de jeu idéal pour les enfants et autres membres de la famille. Un chien à poils courts de petite taille à recommander. Le cocker anglais. C'est un chien qui réclame beaucoup d'affection et de présence de la part de ses maîtres. Il déteste la solitude. Chien devenu célèbre avec la bande dessinée Bull et Bill, attendrissant avec ses longues oreilles. Il est à l'origine un chien de chasse confirmé. Il a donc besoin de beaucoup d'exercice. Le teckel. Chien de chasse à l'origine, le teckel a su se faire une place en tant que chien de compagnie. D'une nature assez exclusive avec son maître, il ne saura tolérer d'erreur de sa part dans l'éducation. En effet, le teckel ou saucisse sur pattes comme on l'appelle humoristiquement, a un gros caractère mais s'entend à merveille avec les enfants. Le beagle. Avec ses yeux ronds et enjoués, le beagle a l'un des regards de chien les plus captivants au monde. C'est un formidable chien de compagnie qui adore jouer avec les enfants, témoignant beaucoup d'affection envers ses maîtres. Très bon chien de chasse, l'un des meilleurs, il se montre très robuste sur le plan de la santé. Le Shih Tzu. Le chien d'appartement par excellence, le Shih Tzu est facile à éduquer, intelligent et affectueux. Idéal comme premier chien, il saura ravir les personnes âgées et les enfants par sa gentillesse et sa docilité. Attention tout de même, le Shih Tzu a besoin de beaucoup d'entretien, en effet ses poils longs et denses nécessitent un toilettage régulier.